Amis téléspectateurs et auditeurs de Radio Continentale et également tout le monde qui a pu suivre ce écran yo via par HTN, c'est tout un plaisir pour nous rejoindre. Et je dis à nos carrément que c'est un gros match qui est en pile monde dans le sud de Floride, la Tabretonne. C'était au Cap face avec Colorado, au Cap qui a remporté la dernière édition de la Copa Latina, c'était de référence. Haïti Cup Madame Boubous, c'était l'année dernière. Amir au Cap qui gagne faveur pour jouer face avec l'équipe Colorado qui est emmenée par trois des Haïtiens. Donc on est parmi là deux qui sont présents. C'est le cas de Alexandre Boussico, gagné Fabrice Noël. Également tout pémé au Jean-Philippe qui était le pionnier à vrai dire. Une équipe Colorado Rapids là qui fait part de formation ça. Colorado Rapids qui n'a pas gardé sous écran là, qui est en bleu et noir comme couleur habituelle. Et puis au Cap qui est avec couleur rouge, blanc et rouge, et maillot blanc, culotte rouge, dosayo qui frappait en rouge, et au Cap et Colorado, vos côté pâle, qui est en bleu et noir, comme d'habitude. Au Cap Colorado, c'est pas un bagage qui était fait pour une première fois, même pas c'est le fait pour toute une dernière, une première fois dans l'histoire. Et qui pour Cap là, lui-même qui remporte la compétition ça, qui a une chance pour jouer face avec l'équipe qui a joué dans MLS. On a parlé de Major League Soccer. Tout le temps, c'est déjà après une nationale, c'est pour la couper d'envoi. Tout à l'heure, tout a bien chance pour nous porter pas mal d'informations parce que nous dit que l'équipe MLS, on a parlé de Colorado, qui déjà fait pas mal de préparation en Espagne. Et monsieur était passé de préférence au Mexique, à part le Mexique qui a joué trois matchs de préparation. Monsieur qui est retourné à Denver, Colorado récemment, et monsieur qui vient dans ce projet là. Le lendemain, après le match, l'équipe Colorado a quitté Colorado pour la prendre direction Espagne. Côté monsieur, pour le faire deux semaines de stage avant même ouverture compétition en avril qui va venir là. Monsieur Colorado a préparé sérieusement. A noter bien Colorado qui a joué un match amical, c'était deux jours de cela, face avec l'équipe I-20 des États-Unis. Monsieur Colorado est arrivé marquer un green goal grâce avec un joueur invité. On a parlé de. Et comment il s'appelle encore? C'est un Espagnol qui fait partie de l'équipe Colorado, pas officiellement, mais qui juste est venu comme invité pour monsieur Otap essayer. Parce qu'il y a pas mal de joueurs qui ont laissé. Il y a un Argentin qui a laissé dans l'équipe Colorado également tout. Il y a tant d'autres monde qui peuvent prendre chance dans l'équipe là. On a parlé de Nicolas Hernandez. Hernandez qui c'est un Argentin. Monsieur qui c'est sous invitation que monsieur Levalle. On a regardé l'hymne national. On a regardé l'hymne national. Équipe nationale, la Dessalinienne d'Ouadi, qui c'est l'hymne national pour le pays d'Haïti. Bonsoir Ouadi. Bonsoir Gabi et je salue tout auditeur Radio Continental et tout téléspectateur HTNO qui branché pour qu'on rencontre ça. Nous avons dit, comme policier, on a toujours dit, il y a une rencontre historique, il y a un match entre une formation en Colorado. Nous connaissons qu'il a évolué dans MSL, en Major League en soccer et dans la Cour États-Unis qui ont équipe professionnelle, tandis que au Cap évolué nos championnats ne va pas dire qui même qui pas même en semi professionnel parce que nous connaissons Manago Gouslan, mais et par contact général manager président association ça c'est parti Fab en soccer promotion. Yo mettez aucun match ça en prélude de ouverture 6e édition Madagou Gouslan. Donc parce que au Cap comme champion sortant, donc il était joint une chance pour l'affronter qu'aucune équipe ça nous connaît l'année dernière avec un coach Fernando Claudio qui s'est bien connu dans le milieu haïtien parce que il était entraîné en formation haïtienne. On a parlé de la sélection haïtienne de football dans les éliminatoires de la Coupe du Monde en Allemagne. Mais malheureusement, nous sommes tombés devant la Jamaïque. Mais je dis, nous avons chance pour nous rejoindre. Et Claude encore, nous connaissons qui habite dans Miami déjà, qui fait un pile travail et la Major League en soccer, MSLA. Et avec des joueurs, nous bien contents, ouais, depuis Fusion Fin Crasé, un joueur qu'on parle Pablo Mastroianni avec Léo Coulen. Et surtout Gabi, deux joueurs, deux chouchous, non, surtout Jean-Philippe Peguero qui déjà a montré que ils sont forts dans la Ligue 1 et aux États-Unis.
Voilà, pas mal de... Dans plusieurs fois, il parlait dans le micro et plusieurs journalistes dans le sud de Floride là, et à travers le monde. Là. C'est, son intention, c'est d'aller jouer en Espagne ou encore en Italie ou quoi pas en France. Faut qu'on dit qu'il est fort probable que Peguero Jean-Philippe a joué en Europe dans la saison Cavinio. D'après ça, monsieur dit, il y a un pile club qui contactait Agent League, contactait un pile club déjà. Mais c'est à lui-même pour le décider. Est-ce que ou pas, il pourrait aller jouer en France? Est-ce qu'il pourrait jouer en Angleterre ou bien en Italie? D'après la déclaration de Peguero Jean-Philippe. C'est pas le coup de pied d'envoi qui va le bailler dans l'occasion match historique, comme doit dire déjà souligné. Eh bien, c'est entre Colorado avec OCAP. Et un coup de pied d'envoi, c'est l'OCAP qui en rouge et blanc qui va gagner l'opportunité pour bailler coup de pied d'envoi. Donc, à remarquer l'information au Cap là, au Cap qui surtout avec Jean-Marie, avec Tinoc ainsi que Wilson, William Wilson avec son 209, c'est le 2 monsieur Sao qui va coup de pied d'envoi. Déjà, on a mentionné l'équipe Colorado Rapids là, Colorado Rapids qui en bleu et blanc, qui jouait avec Fabrice Nel. Fabrice qui retrouvait son numéro 13 jusqu'à présent. Nous beaucoup dans la presse box là, nous beaucoup retrouvé une formation type. Deux équipes, nous avons des difficultés pour nous identifier, mais jusqu'ici, n'a pas porté pour nous pas mal de précisions. Bah, jouer avec le 212, il s'agit bien de Tinoc qui fait un ballon avant pour la sélection au Cap avec T-France. Et c'est fait face au profondeur. Occasion en or ratée par Jacques-Marie Saint-Fleur. Jacques-Marie Saint-Fleur, Tinoc qui a raté une occasion en or vraiment. Suite avec une action, une passe de T-France. Qui fait passe là, qui défonçait l'équipe Colorado. Monsieur laissé Bulle la passer en bas pied et voilà. Et Jacques-Marie Saint-Fleur était bien placé, mais malheureusement sur le pied gauche, monsieur pas arrivé entrer Bulle là dans le filet. Je connais un qui t'a suivi de près, mais malheureusement Bulle la passé à côté. Toujours 0 pour au Cap, 0 pour l'équipe Colorado Rapids. Donc comme ça, c'est émotion déjà et en pied joueur au Cap. Yo. Donc je pense que c'est son rencontre qui est important. Monsieur Sao, ce qu'on joue pour Jacques-Marie Saint-Fleur Tinoc, nous connaissons bien mené et championnat Copa Latina actuellement et nous connaissons son pénitentiaire suite à Monsieur Tout la Madogo Goussin. Donc on pense que Monsieur était exactement là, 5 mètres en de canon, il n'a pas réussi à mettre le ballon comme d'habitude, ce qu'on fait là sur les couleurs capoises, mettez-le dans le filet à Gabi. Voilà, entrée de touche effectuée du côté des bleus et noirs avec qui est-ce le 9-3 qui jouait en profondeur pour qui est-ce oh là là, non. Faute à signaler l'arbitre central. Et est-ce que c'est Mackenzie qui fait faute là sous. Et à monsieur qui a demandé l'arbitre là. Non, pas vraiment, il n'est pas baïkou. On a parlé du dossier 19 de formation équipe. Équipe capable là. Et Abdou de préférence, c'est Franto Charles, le petit frère de Franto, l'autre Franto qui d'habitude joue comme goalkeeper. Le 208 qui prend tout son élan pour effectuer, pour transformer, pour faire attention. Peguero Jean-Philippe qui était dans la surface de réparation, mais balle récupéré par le Haïtien. Il s'agit bien de Tinoel qui fait remettre à Peguero. Peguero centre tir de Peguero, non. Mais dégagement en avant de Renel Pierre et qui dégage le ballon en avant. Balle jouée du côté des Colorado Rapids, son 204. Balle toujours récupérée du côté des Bleus et Noirs qui procède le ballon. Mais jusqu'à présent, comme nous mentionné, nous pouvons gagner une formation type qui a vu du côté des Colorado Rapids. Et il y a une longue balle en profondeur, ce qui a fini Kousti dans le bras, les 16 petits. Le 16 petits, nous rappelons l'ancien gardien équipe ASTA. Qui ont connu les t-shirts, c'est vrai, il est vraiment court, mais il est tiré vraiment long. Bail joue en avant du côté des Bleus et Noirs. Attention, qui entre facilement dans la surface de réparation de l'équipe Colorado, en parlant de OCAP, mais à quelques mètres, dans 16 mètres là, monsieur mettez joué à terre et c'est pour aller un coup franc, avantage pour l'équipe Colorado Rapids. Donc, Gami, nous supposons suivre en pile Assoya, en Pego, et surtout Fabrice Noël, nous connaît, et qui a joué le premier match sous couleur équipe Colorado Rapid, là, c'était en 2005.
et c'était face à New England côté nous s'était fait faucher et dans la surface de réparation et c'était pas un penalty. Donc nous connaissons monsieur son joueur qui est vraiment très technique et me passer année ça monsieur qui a fait en pile couleur et sur le terrain des États-Unis. Attention coup franc beauté qui frappe dans Muna et qui se tire en touche. Touche avantage pour les bleus et noirs, effectué rapidement en direction de Peguero Jean-Philippe avec son dossard 10 qui remet pied en retrait. Qui attention, on a pris un tir, non, jusqu'à présent, non. Pablo Mastroeni qui est à droite, centre tir la fête. Ballon contre F qui l'a sorti en corner, non. Dégagement. En pile loin de Andy Damier qui a vu avec son dossard 17. Balle jouée du côté des bleus noirs. Pablo fait centre tir là, le 16 petit coup d'est qui l'a sorti. Ballon intégrant en sortie dehors. Est-ce que c'est dehors? Est-ce que c'est 5m50? Oui, c'est ça, l'arbitre central l'a signalé, c'est 5m50. 5m50, c'est pour aller en dégagement avantage de l'équipe Okapa ici. On n'a pas mentionné également tout. Championnat Haïti Cup, Madame Gousta, grande ouverture, c'est pour week-end prochain. Dans le même terrain, ça, dans FIU Stadium, 151 Biscayne Boulevard. Côté pour aller un match qui a fait entre l'équipe championne en titre. C'est Okap qui a joué jeudi face avec Colorado, qui va jouer face avec l'équipe Saint-Louis là. C'est un club duel vraiment. Il y a un duel que nous capable de signaler. Il y a un duel vraiment dans le nord qui va le faire dans l'ouverture compétition. Ça. Bah, jouer avec qui? C'est bien le dos à 12 du côté des Capois qui remettent en avant avec qui? C'est Wilson William, c'est fauché dans le mi-terrain. Bah, il a dit laisse Landal qui déboule la jouer. Bah, jouer avec André Kerseis ouvert latéralement avec le dos à 6 pour les équipe au Capoise, dégagement en avant, balle du côté des bleus et noirs qui a pas profité occasion pour percer dans la surface de réparation équipe bleue, équipe rouge là, mais vraiment c'était dans one cent là, monsieur finalement, yo arrivé, mettez un joueur au Capaté et c'est un coup franc avantage pour l'équipe Capoise. L'équipe Capoise qui va jusqu'ici pas vraiment intimidée par une équipe MLS vraiment que n'a suivi de près. Coup franc beauté de droite vers gauche. Et Joe qui capte le ballon sans danger. Monsieur prend le ballon, lui fait ouverture là sur le flanc droit du côté de. Pour n'a pas les deux avec l'équipe bleue noire là qui toujours possède le ballon. N'a pas les deux, oui, avec son 214. Ligue possédée, n'a pas les de l'autre haïtien. Balle toujours contrôlée par bleu et noir. Est-ce que monsieur a fait le centre tir là? Willy peut faire ouvert avec Pablo serré de près par Damien en avant. Dégagement en avant. Attention, Gabel. Peguero joué quand même. Habit l'a dit oui. Peguero Jean-Philippe, l'ex-joueur du Don Bosco de Pétionville qui a marqué 9 goals la dernière saison qu'il a disputé avec l'équipe Don Bosco de Pétionville. Peguero qui fait faute là sur défenseur équipe Capoise. On a mentionné grâce à Gabi et la dernière saison, Peguero a marqué 7 goals pour Colorado Rapids et monsieur a fini avec 20 points et monsieur a fini dans le sens deuxième meilleur joueur en points pour l'équipe Colorado Rapids derrière Cunningham, monsieur lui-même qui a gagné 27 points total avec 12 goals et 3 assists tandis que Peguero a gagné 7 goals avec 6 assists. Merci Thibaut Kenol qui fait nous rejoindre une formation type 2 équipe là en 22 acteurs. N'a pas fait un rapide, n'a pas rappelé rapidement, c'est le 222. Au lieu de Joe Cannon, c'est Nat Jordan qui a joué à 222 pour l'équipe Colorado Rapids là. Il y a Hunker Freeman, le 202, qui a joué comme latéral droit dans l'équipe Colorado Rapids là. Dan Guardian, 204, le 227, c'est bien Stéphane Krell. 26, c'est Jordan Harvey. Le numéro 8, c'est Lange Gonzalez. 33, c'est Dan Hudson. Le numéro 14, c'est Fabrice Tuel. Numéro 23, Colin Clegg. Numéro 31, Sacha Gosnovov. Et Peguero Jean-Philippe avec son 210 pour l'équipe Colorado. Alors, ce qui est pour l'autre formation. Nous réalisons jusqu'à présent, nous pouvons avec Clint Mathis, une nouvelle acquisition de l'équipe Colorado Rapids. Nous connaissons Clint Mathis et nous avons en trade année dernière et pour malgré que monsieur pas fait en performance en saison avec équipe en Real Utah mais quand même parce que coach Clavio il fait les climatistes il y a un danger buteur tout attention danger pour l'équipe Capoise. Très bonne sortie de l'essence petit ballon et foulant en avant non mais finalement ballon a passé au-dessus bas transversal là. Faut que nous mentionnions également tout formation 11 acteurs pour l'équipe Capoise. C'est bien
nous gagnons Ronald Pierre, nous gagnons André Kerseis, Marco Macajou, nous gagnons Alcime Robinson, Fanto Charles, William Wilson, Jenjini Oba, Ilsena Richardson qui renforce l'équipe au Cap-là. Nous gagnons Franz François, Jacques-Marie Saint-Fleur, Alastinac et l'éternel Lesses Petit, l'Angola pour l'équipe au Cap-là. Voilà, belle jouée en retrait avec le 204, c'est bien Don Gordon. Gordon qui remet le ballon en avant avec Hunter Freeman. Freeman et balle contrée. Il y a un marquage de Tinoc. Et ballon sorti en touche avantage pour le bleu noir qui fait rapidement en direction de Lange Gonzalez. Gonzalez avec ce 208. Est-ce qu'il a fait tir là? Il fait lui, mais vraiment un tir très faible et qui passait à côté. Début gardé par le 16 Petit, l'ancien joueur. L'ancien goalkeeper de l'équipe, l'association sportive capoise, si vous à peine regardez télévision, si vous à peine branché radio, c'est bien HTN, HTN pour toute Sud-Floride là, et pour moun nan noyo, c'est bien le 102.1 FM Radio Continental. Bah, je joue en profondeur en direction de qui? Attention! Monsieur Kilbité, il tombe le levant, quand c'est Andy Damier, Damier remet en retrait, non! Il pas bon, habite là, dit la Selandal, quitte boule la rouler! Avec qui? C'est bien le 212. Nan, toujours pour l'équipe capoise qui contrôle le ballon en avant. Avec qui est ça? Attention! Avec Damien, Damien retourne en retrait. Damien qui rejoint le 212. Savin, c'est Lionel Saint-Pré, Lionel. Eh, ça va qu'à Lionel Saint-Pré du tout. Formation, bon, non, il est pas fin fixe. Ça va qu'à Lionel Saint-Pré, pas beau, comme ça, me connaît monsieur très bien. Balle jouée en avant avec Renel Pierre, Renel Pierre en avant, attention, non. Balle contrée au passage, c'est une nouvelle entrée de touche, cette fois-ci, c'est pour l'équipe capoise. Pour l'équipe capoise qui fait rapidement, balle contrée, dégagement en avant, de bien de Franto Charles qui remet le ballon en main, monsieur Rapidio. Les Rapids jusqu'à présent, les Colorado Rapids qui peuvent prouver ça, mais n'a pas suivi de près. Jusqu'à présent, Ritlali balancé. Le 209, William Williamson. Williamson en avant pour Franz Pierre, le petit frère de Jackie François. Également le petit frère de Jetel François. Bal joue en avant, non, c'est gaspillé ballon en l'air. Mais le goalkeeper a été arrivé, non, pas été arrivé. C'est plutôt Stéphane Kill, Kill qui contrôle le ballon, remettre avec Don Gadjan. Gadjan qui remettre à Kill en nouveau, non, c'est de préférence, c'est Jordan Ave. Ave qui contrôle sur le flanc gauche là, mais marquage serré. Jusqu'à présent, Gabi, il faut que nous disions, nous, ouais, on équipe au cap bien organisé. Il y a une équipe au Cap qui vraiment pas peur en match du tout, malgré Colorado Rapids, une équipe professionnelle, mais au Cap en prouvé et à partir de placement, il y a qu'à jouer avec une équipe. Attention, va jouer à qui? Oh là là, non, Hunter! Lille, il fait s'entretir là vraiment, mais ballon a finalement sorti en dehors de Chandia. Il y a une il faut que mentionne également tout. En pile froid, des fois l'équipe a joué comme ça, couille pour un goal, tête yo chou. J'espère que même si on capte pour un premier goal, que l'Ita a contrôlé la situation pour ne pas arriver dans une phase que l'Ivine dégénéré, il n'a pas contrôlé la situation encore pour ne pas prendre plus de goal, passer ça. Bah, je joue avec qui est-ce? C'est bien Jacques-Marie Saint-Fleur qui mal contrôlé le ballon, poté le ballon, joué l'équipe Colorado à Pizda. Et voilà que le ballon qui finalement dégagé en touche par. Launch par plutôt Don Gardien et ballon sorti en touche, touche avantage des rouges et blancs et il y a un très bon geste technique de Hunker Freeman et finalement c'est touche, nouvelle entrée de touche cette fois-ci du côté des bleus et noirs, nous gagnons ballon, c'est Hunter Freeman qui fait lié avec bien c'est Launch Gonzalez pour Hunter encore, Hunter qui joue en avant en direction de Pequeiro et ballon sorti en touche. Gabi, nous vraiment gagnons problème avec la formation ça parce que nous avons gardé sous terrain le Sénat. Richardson avec numéro 12 tandis que yo mettez l'un comme numéro 8 jusqu'à présent en tout cas et Kenol fait mieux il peut être pour nous quand même baga fin critiquer le top si bout de Kenol merci voilà faut que nous dit que nous dans FIU Stadium jusqu'ici c'est 0 pour Cap 0 pour l'équipe Colorado Rapids l'équipe visiteuse qui font un grand déplacement qui viennent jouer match solennel pour nous parce qu'avec l'équipe capoise qui a remporté la dernière édition de Madame Bougousse Haïti Cup saison passée
et l'équipe Capoise qui vient pour faire match d'ouverture dans la compétition ça samedi prochain. Attention, balle jouée en avant avec qui est-ce? Le petit France, non, c'est Jacques-Marie qui pote boule là-bas et qui est-ce? Avec Anke Freeman, Frank qui joue en avant. Et longue passe en avant, mais ballon finalement sortir en touche. Si ou c'est sous Boston, c'est le 102.1 FM. Et sous c'est sous non, Miami, c'est HTN, Comcast, Chanel, Chanel 69. Pour tout le monde dans le pays. Attention, faute sur Fabrice Noël. Bah, joue rapidement. Fabrice qui combine avec Don Watson. Watson en avant, bah, joue latéralement sur le flanc gauche. Monsieur qui a combiné très bien jusqu'ici. Mauvaise passe de Watson. Bah, joue à qui? Pour les rouges et blancs. On a parlé de oui, c'est Mine, c'est Léonel Saint-Pré. Saint-Pré qui a dosé avec son dossard 17, qui contrôle les ballons, fait passer en avant, balle toujours jouée, mais balle perdue. Jusqu'à présent, c'est les bleus noirs qui récupèrent avec Don, c'est plutôt Hunter Freeman. Hunter Freeman en avant, attention, est-ce qu'elle passait? Balle jouée en retraite, très bon geste quand même de Franto Charles, qui remettait à l'essence petit, un dégagement en avant, mais un peu plus tard, qui va le rejoindre un pied. Équipe Colorado Rapida avec Fabrice Noël, le petit Noël. Petit Noël qui contrôle jusqu'ici. Il lui remet ballon avec Lange Gonzalez. Gonzalez fixé de près, le fait le geste là quand même. Centré, tu l'as fait. Dégagement en avant. Et finalement, ballon en sortie en touche. Donc, quand on sort de la Gabi, nous avons un niveau, on a commencé plus élevé. Et avec Ocap qui a fait des contre-attaques. Mais équipe Colorado Rapida a toujours fait pression. Attention, balle jouée latéralement pour T-France qui parie est arrivé. Si on passe de Jacques-Marie Sinclair qui vraiment était loin, mais ballon finalement sorti en touche. Donc, touche faite rapidement pour l'équipe bleu noir là, pour Gabi Abdili. Et on a demandé est-ce que, au formation au Cap là, Gabi, la PKK 90 minutes joué Jean Labjoué Matsala à ce là. Jusqu'ici, les kiff. Non sûr, comme nous avons dit, s'il prend le premier ball, il va dégénérer. Donc c'est exactement ça. Ça. Et nous espérons qu'il ne pas arriver. Attention, bel jeu avec Lange qui remet lui avec Hante. Bah, c'est Gabi à premier au chemin. Anke Freeman qui rejoint. À qui? C'est bien, c'est qui parle? C'est qui joue maintenant? C'est toujours Hante Freeman en avant. Attention, le 231, il s'agit bien de Sacha. Sacha qui jouait, remet avec qui est-ce, le petit haïtien, en parlant de Fabrice Noël. Noël qui retourne sous lui-même. Remet avec qui? C'est Don Gordon, latéralement l'ouvert sur le flanc gauche. Attention, balle jouée Peguero. Peguero, talonnade de Peguero. Pour qui est-ce? Attention, Peguero. Pour Fabrice! Nous tirons bien travaillé de Fabrice Noël, mais ballon frappé dans le bas transversal et cangadé par le 16 petit. Ça t'a fait un mouche Gabi, je pense que c'est une action bien travaillée et dans le couloir gauche là, quand Pégo Jean-Philippe et qui fait retrait. Mais heureusement, malheureusement pour l'équipe au Cap là, ballon frappé dans le bas transversal là. Jusqu'à présent pour le premier quart d'heure qui déjà disputé dans le match entre au Cap avec l'équipe Colorado, c'est 0 pour au Cap. 0 pour l'équipe Capois, 0 pour Colorado. Attention, corner à beauté! Vraiment, ballon contré, c'est. Après, il y a un centre, il y a un corner qui s'est sorti de gauche vers droite, il y a un tir du numéro 27, Stéphane Kill, et ballon finalement contré par un joueur Capois et qui se tire en touche. C'est vrai, il y a une nouvelle fois, il y a une entrée de touche, un corner de référence. C'est facile du gauche, de droite vers gauche, avantage pour l'équipe des bleus et noirs. J'aime dire la Gabi, depuis quelques minutes, je pense qu'il y a plus de pression le match et l'équipe Colorado Rapid a commencé à montrer et supériorité par rapport à l'équipe Capoise. Qu'on est monté de droite vers gauche, récupéré du côté les rouges et blancs, avec yes, c'est bien le 207 qui part, maillot numéro pas correspond du tout, bah, avec Saint-Fleur, Jacques-Marie Saint-Fleur qui rouvre latéralement sur le flanc droit. Il jeu qui c'est bien Marco Macajou, long ballon avant de Marco en direction de Jacques-Marie Saint-Fleur et ballon capté par Matt Jordan
qui garde camp pour l'équipe Colorado Rapids, balle perdue, gagote là-bas, est-ce que monsieur va arriver pour profiter occasion? Non, mais récupération du côté des bleus et noirs, Peguero très jeune avec Kies, avec Gonzalez en avant, en direction de Kies, de Hunt, Hunt qui fait, c'est une one pareil ici quand même, mais dégagement final qui ont ballon qui sortit en touche, cette fois-ci c'est du côté pour monsieur équipe Colorado. On a dit que jeudi, on a remarqué, c'est Peguero qui portait brasse à capitaine. Non. C'est Peguero Jean-Philippe qui portait brasse à capitaine pour l'équipe Colorado Rapids. Jusqu'à présent, ils sont une monde, je n'ai pas remarqué. Je n'ai pas remarqué Ricardo Champagne, présence Ricardo Champagne dans l'équipe au Cap-là. Définitivement, Gabi, nous réalisons ça. Nous pas Ricardo Champagne. Est-ce que monsieur Souban ou bien est-ce que Anissa, monsieur, n'a pas décidé de jouer pour l'équipe au Cap-là? Oui. N'a pas. Oui, nous recevons signal Boston Chenet n'a pas de petit, mais jusqu'à présent, c'est vraiment difficile pour nous communiquer avec Boston. On attendait, attention, c'est pas qu'on a de préférence, mais on s'entretire de Peguero Jean-Philippe à tir. Ils ont tiré vraiment, ils ont faute. Est-ce qu'il habite la signalée, t'es gagné faute sur action hein? Oui. Est-ce qu'il habite la signalée, t'es gagné faute sur action hein? Mais c'était un tir. Ils ont tentative de tir. Du numéro 31 de l'équipe des Rapids, en se parlant de Sacha Godsmanov, qui vraiment était sur dit ça là, ils ont semel. Monsieur quand même pas de fou et pied tellement. Mais ballon finalement, t'es sorti à côté, passé à côté. T-France. C'est de papa Fabrice Noël, de monsieur Sao qui jouait au niveau high school ensemble. On a parlé de T-France. Tifons qui a raté toute sa chance pour te faire partie de l'un des clubs, n'a parlé de. C'était Colorado, c'était Metro Stars, qui a raté sa chance également dans Miami Football Club. Miami Football Club qui c'est une équipe qui pourrait jouer dans US League là. Miami qui a bien pour jouer face avec Impact de Montréal dans le match d'ouverture, qui a même bien pour jouer ici, dans Floride là. En attendant, va jouer latéralement, va le contrer. Mais jusqu'ici, c'est toujours 0-0. 0 pour Ocap, 0 pour l'équipe Colorado Rapids. Déjà 22e minute, déjà disputé dans le match football là. 0-0 dans le match solennel, qui a joué dans FIU Stadium.